Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Pour moi ça va. Aujourd'hui je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment j'ai préparé un brunch pour mes invités. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Comme vous le savez, moi je suis simple. Donc, je vais préparer le brunch simple et facile à préparer. Donc, sans trop blablater, on va commencer. Donc, restez connectés. Comme vous le voyez là, je suis en train de préparer des pains aux viandes. Donc en ce qui concerne la pâte, je l'ai déjà partagé sur ma chaîne, c'est dans mes premières vidéos, donc je crois que c'est dans mes 5 premières vidéos sur ma chaîne. Donc c'est une pâte à brioche que j'ai utilisée. Donc là, je vais faire un pain au lait, donc nature. Je vais laisser reposer une heure. Après, je vais attaquer la pâte pour les pains aux viandes. Donc là, j'ai fini de façonner la pâte. Du coup, je vais prendre le steak que j'ai déjà pré-cuit dans le air fryer. Après, je vais rouler dans la pâte. Les pains aux viandes, c'est un régal. Après, si vous n'aimez pas la viande, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre du thon, vous pouvez mettre du saumon, donc tout ce que vous voulez. Voilà, donc essayez si vous avez envie.
Si vous aimez aussi le sucré, vous pouvez remplacer aussi le sucré, le salé avec le sucré. Donc, vous pouvez mettre du chocolat, confiture, tout ce que vous voulez. Donc, vous avez la possibilité de vous adapter en fonction de ce que vous voulez et en fonction de ce que vous aimez. Donc après une heure de repos dans un endroit chaud, donc je vais venir les badigeonner avec du lait et un jaune d'œuf. Donc après je vais les passer au four préchauffé à 180 degrés. Donc j'ai presque fini de préparer. Donc je vais passer à la préparation de la table. Donc j'avais des invités pour un brunch de dimanche.
le temps passait trop vite. Donc, j'avais fini de préparer tout ce que j'avais à faire. Mais franchement, je n'ai pas eu le temps de faire comme je voulais, de dresser comme je voulais parce que le temps, il passait trop vite. Et mes invités, ils arrivaient à 11h pour le brunch, donc pour le petit déjeuner. Donc, c'était trop, trop chaud. Donc, voilà. Mais franchement, je suis trop contente parce que j'ai pu faire beaucoup de choses. Je ne me sentais pas bien, mais j'ai pu faire pas mal de choses. Et, bien sûr, à l'aide de mon mari, hein, il m'a beaucoup aidée. Donc là, je suis en train de finaliser, de voir si je n'ai pas oublié quelque chose. Et en même temps, je pense que vous voyez, je me suis déjà changée. Donc, je suis partie me laver, me changer. Donc là, j'attends les invités. Ils ne vont pas tarder à venir. Voilà les amis, comment j'ai préparé ma table. Franchement, je suis trop contente. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a donné des idées pour faire plaisir à vos amis et à vos proches. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Moi je vous dis à très bientôt dans une autre nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao ciao. Bisous.